Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, changement de décor. Je vous ai pris un peu dans ma chambre. Je me suis dit que ça changeait un peu. Au moins, on découvre petit à petit les pièces de la maison. Parfait. Du coup, on va se retrouver pour les ventes privées que j'ai faites juste avant les soldes. Donc, vous aurez cette vidéo après les soldes. Mais dans tous les cas, vu qu'entre-temps, je me suis fait opérer et tout, ça a tout chamboulé en fait l'emploi du temps. Du coup, j'ai fait juste deux enseignes pour les ventes privées. Donc, j'ai fait Intersport. Et Caporal. Intersport, c'était pour mon copain, mais je vais quand même vous partager ce que j'ai pris pour lui. Si vous avez suivi, à Noël, je lui ai offert de suite le coq sportif que j'avais pris sur Zalando privé. Et les bas, en fait, le bas, il restait que du S et mon copain fait du L. Donc, du coup, j'ai dit, c'est pas la peine, j'attendrai qu'il y ait une promo parce que de base, ils sont quand même pas donnés le coq sportif. Et là, en fait, pendant les ventes privées, ils les ont soldés. Donc, j'étais plutôt contente. Donc, du coup, de base, est-ce que j'ai... Ah, mais j'ai pas gardé les prix. J'ai tout lavé. En fait, de base, le premier, il coûtait 85 euros que le bas. Donc, je trouve que c'est autant cher qu'Adidas et Nike. Mais bon, après, la qualité est très, très belle. Donc, du coup, vous avez le coq sportif juste ici. Donc, voilà. Derrière, vous avez le petit drapeau. Et en fait, il est tout noir. Et à la fin, ça fait comme ceci, ils sont resserrés. Donc, c'est des modèles slim. La qualité, elle est super bien. C'est pas du molleton, mais c'est du coton très épais. Il me semble que c'est du coton. Ah, oui, 85% de coton et 15% de polyester. Mais vraiment, une très très belle matière. Et moi, j'ai eu les deux pour 104 euros. Donc, ça veut dire qu'en gros, limite, un, je l'ai presque eu gratuit, quoi. Enfin, gratuit, on s'entend, quoi. Je les ai eu vraiment. Je crois que chacun, je les ai payés 50 euros, quoi. Donc, au lieu de 85, et celui-là, il est un peu moins cher. Parce que je crois que c'est le modèle basique de la marque. Donc, toujours le petit drapeau, le signe, il est ici. Et lui aussi, c'est une version slim. Donc, lui, il est tout simple, par contre. Il n'y a pas le petit drapeau en bas. Et du coup, je lui avais pris un sweat... Alors, je sais plus, c'est une capuche, il me semble. Et l'autre, c'était un sweat zippé. Donc, du coup, voilà, il est super content parce que le week-end, il aime bien se mettre en survêt. Et au moins, ça fait quand même des survêtes assez classe. C'est pas le survêt qu'on peut mettre, voilà, vraiment pour rester à la maison, quoi. On va passer à Caporal. Donc, il y a pas mal de choses. J'ai fait deux commandes. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, donc je vais vous sortir les deux à la base que j'avais pris. Voilà. Pour la petite histoire, j'avais pris un jean. Et je l'avais pris en taille 29. Donc, du coup, un 39. Mais franchement, ce pantalon, je le surkiffe. Je ne l'ai pas encore mis, hein, parce que du coup, il y a encore toutes les étiquettes, il y a tout. Je le surkiffe, je m'en dis trop de le mettre. Et en fait, quand il est arrivé, 29, c'était trop grand. Alors que j'en ai un de chez eux que c'est du 29. Donc, du coup, je me suis dit, je vais le recommander en 28 parce qu'il me plaît de trop. Donc, il était dans la partie outlet. Donc, dans les ventes privées, que vous preniez un outlet. Ou dans les rayons, on va dire basiques, vous aviez quand même la promo que si vous achetez plusieurs articles, après ça dégraissait. Je crois qu'il y avait encore 10% ou un truc comme ça. Donc, du coup, de base, ce jean il coûtait 95 euros. Oui. Et franchement, je vous mettrai les prix à quelque part de combien je les ai payés parce que je m'en rappelle plus. Ça date un petit peu, mais je vous les afficherai. Donc, voilà. Donc celui-là, ce que j'ai bien aimé, c'est la matière. Alors, je vais vous dire de suite. Donc, il y a 64% de coton, 20% de CLY, je ne sais pas ce que c'est, et 16% de lin. Et c'est pour ça qu'il est super agréable, je pense. Donc, on a un petit détail d'ici, de petites perles bleues. Très bohème, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, là, il y a une sorte de patchwork. Et en bas, hop, il est retroussé comme ceci. Enfin, on peut le... Ouais, on peut l'enlever, mais je trouvais que retrousser. Et franchement, niveau longueur, il est nickel, il m'arrive aux chevilles. Donc parfait. Et l'autre jambe, il est destroy. Et moi, j'adore les jeans destroy comme ça. Et là, c'est un boy slim. Donc du coup, voilà. La coupe est très très belle. C'est entre le. Alors, comment on dit boyfriend et le mom. Franchement, la texture, elle est tellement agréable. Lui, pour le printemps et même l'été. Alors, l'été, j'aime pas trop mettre des jeans. Mais tout ce qui va être printemps, tout ça, je vais le. Voilà. Vraiment le... Attendez, j'ai oublié un article. Après, j'avais flashé sur une robe quand j'étais allée faire les boutiques en fin d'année avec une copine. Mais laissez tomber le prix. Donc, je vais vous dire le prix de base.
89 euros. Donc je me suis dit, ouais, non, c'est mort. Je mets pas 89 euros, même si elle me plaît de ouf. J'attendrai les promos, les ventes privées et les soldes. Et en vente privée, ah oui, en vente privée, je crois qu'il y avait moins 40 sur tout et vous aviez 10% en plus. C'est ça. Donc au final, ça fait moins 50, quelque chose près. Et du coup, j'ai pris le motif comme ceci. Je la trouve trop trop belle. Donc par contre, elle est assez large. Donc j'ai pris du M. Parce que je me suis dit, bon là j'ai perdu un petit peu de poids, mais voilà, c'est dû à l'opération, tout ça. Mais je me suis dit, je vais pas prendre S, parce que quand je l'ai essayé, elle me va un peu grande. Mais j'ai dit, le problème, si je regrossis, je vais pas être bien. Et moi, je vais être quand même à l'aise. Donc c'est pas grave, elle me va un petit peu large. Donc vous avez un fond de robe jusqu'à une partie. Et quand vous faites ça, ça fait volante et elle est trop trop belle. Je l'adore. Franchement, en plus le motif, je pense que je m'en lasserai pas. C'est discret. Et la texture, elle est super bien. Bon, le pull est neuf, mais bon, hein, faudrait que je la lave. Et du coup, que j'ai tellement aimé le motif et la robe, je me suis dit, ben, je vais prendre la tunique, enfin la blouse. Mais la blouse, en fait, il y a un détail qu'il n'y a pas sur la robe. Donc, la blouse est comme ceci. Ils en sortent beaucoup dans ces formes-là caporales. Voilà, avec les petits volants. Mais derrière, regardez, tout ajouré, tout en dentelle, jusqu'en bas. Elle est vraiment belle. Je l'ai pris en M. Alors, est-ce que j'ai un petit prix? Oui. Donc, en M, et de base, elle est à 59 euros. Voilà. Mais j'ai trop, trop aimé. Donc, ça, c'était ma première commande. Du coup, que quand j'ai recommandé le jean à la bonne taille, du coup, j'ai repris des choses. Oui, j'ai abusé. Du coup, j'ai pris deux jeans et un haut. Donc, le premier jean, c'est un mom en taille 29. Et par contre, lui, en 29, ça va. Je pense que si j'aurais voulu un effet un peu plus loose, j'aurais pu même prendre du 30. Vous voyez, selon les coupes, et je pense que c'est aussi en fonction des matières. Parce que lui, c'est quoi comme matière? Il n'y a pas marqué la matière. Bon, du coup, c'est pas élastane. Donc, du coup, il y a une petite ceinture tissu dessus. Voilà. Et en fait, c'est un jean basique. Et en bois, ça fait... En bois. Et en bas, ça fait des petites franges. Mais vraiment minimes, hein, les franges. Regardez. Très, très joli. Et ça, j'aime beaucoup. Ça fait un style un peu comme les années d'avant. Un peu pas hippie, mais vous voyez, un peu dans ce style et j'aime bien. Ça change un peu des jeans que j'ai. Parce que j'ai beaucoup de jeans taille haute et très slim. Et là, je me suis dit, on va changer un peu. Et j'aime bien ces coupes-là aussi de temps en temps. Et pour finir, j'ai pris un skinny standard. Donc standard, ça veut dire que la taille n'est pas haute. C'est au nombril, en dessous du nombril. Mais bon... Je trouve que c'est sympa et je sais pas s'il fait pas effet push-up au niveau des fesses. Donc, ah oui, je vous ai pas dit le prix de lui à la base. 85 euros. Bon, après, franchement, si vous devez acheter des jeans, les caporales sont très très bien. Il y en a beaucoup élastane où on est super bien dedans, j'en ai un comme ça. Mais attendez les ventes privées et les soldes. Ou sinon, allez sur la partie outlet du site. Il y a beaucoup beaucoup de jeans à un prix vraiment très 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 intéressant. Franchement, je pourrais même travailler pour eux, quoi, limite. Là, en quelques temps, j'ai acheté chez eux à foison, quoi. Donc là, il coûtait 79 euros de base et je l'ai pris en 29. Lui, par contre, il est pas bien grand. Ah non, celui-là, il est taille haute. Non, je sais plus. Standard, non, je crois pas. Lui, faut pas trop grossir. Mais par contre, il est élastane. Donc en fait, il est noir, délavé. Voilà, tout simple. Et en fait, à certains endroits, ça fait comme s'il était un peu destroy. Par contre, au niveau de la longueur, il est assez long. Je vais voir si je vais pas peut-être me le faire reprendre au niveau de la longueur. Parce que je suis pas bien grande. Je fais 1m62. Donc, du coup, ça tasse vite, je trouve, quand c'est un peu trop long. Et pour finir, j'ai pris une blouse. Donc, la blouse, elle était à 65 euros de base. Je l'ai pris en M. Et du coup, elle est... Alors... Crème, on va dire, ouais, crème. Avec des petits fils dorés. Voilà, donc elle est comme ceci. Voilà. Et dans le dos, elle a un petit peu des détails. La matière est super agréable. Je sais, 100% viscose. Très, très, très légère. Franchement, elle rend super bien. Elle a un effet loose. Donc, j'aurais pu même la prendre en S. Mais je reste toujours dans l'optique qu'il faut être quand même à l'aise dans ses habits. Et être bien, si c'est pour être quiché tout le temps, là vous voyez j'ai pris un jean où je suis un peu quiché, enfin quiché, façon de parler, je suis un peu serré, mais il va se détendre vu qu'il y a de l'élastane,
Donc je me fais pas de soucis. Mais les hauts comme ça, j'aime bien les prendre même un petit peu loose parce que même avec un short en plein été rentré juste devant, je trouve ça très joli. Ou même pour aller à la plage avec juste un maillot dessous. Enfin, franchement, c'est super sympa, quoi. Donc je suis bien contente de mes achats. J'avais vu d'autres articles qui me plaisaient. Et je comptais attendre là la dernière semaine des soldes pour voir si on pouvait pas avoir des promos en plus. Mais l'article qui me plaisait le plus est en rupture. Donc voilà. D'un côté, c'est pas plus mal. Au moins, ça m'évite d'acheter. Parce que je pense que là, j'ai quand même bien dépensé entre les ventes privées et les soldes. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mes achats. Moi, franchement, je suis trop fan des blouses et de la robe. Même du jean, le premier jean, je l'adore, je m'enguis trop trop de le mettre. Là, il fait vraiment trop froid pour le mettre, surtout qu'il est troué. Je m'enguis trop le printemps de pouvoir le mettre. Mais écoutez, je vous fais de très très gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter comme d'habitude. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Mouah!